Salut les amis, c'est Feng. Alors bienvenue à vous dans cette nouvelle revue d'analyse technique. Donc cette semaine, ce qu'on va voir, on va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine précédente par rapport aux projections que j'avais fait dans la première revue. Ensuite, on va regarder les projections pour donc la semaine en cours. Après ça, on va ra rapidement regarder les news importantes de cette semaine et puis on va finir par la question de la semaine. Alors on commence par EURUSD. Donc EURUSD, pour ceux qui ont vu la revue de la semaine dernière. C'était vraiment magnifique ce qui s'est passé. Donc, en gros, quand j'ai fait la revue, on en était au point de départ des flèches là. D'accord? Donc, on en était là à peu près. Ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le scénario baissier il s'est réalisé. Donc, en gros, dans un premier temps, ce qui s'est passé après la revue, c'est que le prix a chuté sur la zone d'achat ici, donc au niveau du bloc de contrat, et il a rebondi directement. Donc, vous aviez déjà une belle opportunité là de prendre une quarantaine de pips sur ce rebond là. D'accord? Ensuite, le prix a bien cassé le bloc de contrat et l'a retesté pour continuer sa chute. D'accord? Donc, si vous baissez au niveau des timeframes ici, donc là on est sur du H4, mais si vous descendez au niveau des timeframes sur du H1, vous auriez eu des patterns de retest. Hein. Vous auriez eu des confirmations à ce niveau-là qui vous montraient qu'au niveau du price action, le prix allait continuer de chuter. Alors, GBPUSD aussi, c'était vraiment pas mal. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui sont régalés là-dessus. Le prix, donc les deux scénarios, on avait soit un rebond ici, soit une cassure de ce support institutionnel avec un retest derrière. Et vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix, vous voyez, les flèches, je ne les ai pas rajoutées là pour la revue. Hein, vous pouvez vérifier dans la précédente revue. Ce qui s'est passé, c'est que le prix a vraiment cassé la zone. Il est revenu retester deux fois avant d'entamer sa chute. D'accord? Donc, comme pour EURUSD, si vous descendez sur les timeframes, normalement vous avez peut-être pu voir un petit rebond à ce niveau-là, mais rien de significatif. Par contre, derrière le retest ici, il était vraiment flagrant. Alors, UJ aussi, c'était vraiment limpide. Donc, comme vous avez pu voir, le prix il a bien rebondi comme prévu sur le bloc de contrat qui est ici avec un retracement optimal. Donc, je vous parlais du retracement ici entre 62 et 79, vous voyez. Le prix a vraiment rebondi, donc il a chuté et il a rebondi comme prévu dans cette zone de retracement optimale pour grimper. Ensuite, donc vous avez vu le prix, il a complètement décollé, donc c'était vraiment une très très belle opportunité à prendre aussi. Alors AUDUSD, donc le scénario baissier s'est confirmé. Vous voyez, on n'avait aucune raison d'acheter parce que de toute façon, comme je vous disais, il aurait fallu attendre un retest à ce niveau-là pour acheter. Et au niveau de la chute, ça n'a pas été vraiment très clair, hein, d'accord? Il n'y a pas vraiment eu de retest ou de confirmation. Donc là, pour rentrer, c'était compliqué. D'accord? Donc même en descendant sur les plus petits timeframes, vous voyez, même en descendant sur du M15, c'était pas clair du tout. On n'a pas vraiment eu un retest. Regardez à ce niveau-là, donc quand le support institutionnel a cassé, vous voyez, à aucun moment il a été retesté derrière. D'accord? Donc c'était plutôt compliqué à attraper. Pour la suite du mouvement, alors après, oui, si vous voulez, il y a eu des retests à certains moments. Donc si vous avez vraiment suivi la paire, vous auriez pu attraper certains retests par la suite, comme par exemple ici. Donc vous voyez, ici, le support qui passe résistance. Également ici. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de confirmation, donc c'est un cas où on aurait laissé partir le marché, quoi. Alors, NZDUSD, comme AUDUSD, donc une belle chute. Par contre, là, il y avait des occasions de rentrer sur certains retests. Vous avez eu des confirmations sur des retests en M15. Donc, attendez, je bascule en M15, voilà. Et là, si vous regardez de plus près, il y a eu des retests. D'accord? Donc pour l'instant, vous voyez, le bloc de contrat ici, il tenait. Et après, il a été cassé. Et là, on voit clairement que le support donc, qui tenait ici est passé résistance à ce niveau-là. Et puis là aussi. Donc c'est-à-dire premier retest ici, deuxième retest ici. D'accord? Donc après, si vous étiez rentré là avec un stop loss juste au-dessus, votre take profit est ici. Donc vous avez un bon ratio risque-profit. Après, donc, ce qui s'est passé, c'est que ce bloc de contrat et ce support institutionnel ici a également cassé. Et comme vous pouvez le voir, quand on descend sur du M15, on voit clairement le retest. Hein. Vous avez un retest là, vous avez un retest là, un retest là. Donc, il y avait eu pas mal de confirmations. Donc, en gros, ces deux chutes-là, si vous les avez suivies, vous aviez des possibilités d'entrée plutôt propres. Alors, USDCAD, alors là, les amis, j'espère vraiment que vous avez chopé l'opportunité. Vous avez la preuve dans la précédente revue, hein, j'ai créé ce scénario la semaine dernière.
Donc vous voyez, un scénario baissier et haussier. Et quand on voit le scénario haussier, la confirmation était magnifique ici. D'accord? Donc le prix a bien cassé cette trendline, a rebondi et a décollé. Donc quand on passe sur du plus petit time frame, c'est encore plus clair. Hop, voilà. Donc vous voyez la trendline qu'on surveillait. Donc le prix a cassé. Alors il a quand même consolidé pendant un certain moment. Puis après, il a chuté. Vous voyez, et il s'est mis à décoller. Donc ça, c'était une news. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on voit clairement, vous voyez la consolidation qui est ici. Alors attendez, je vais la délimiter rapidement. Donc vous voyez la consolidation qui est là. La chute ici, vous voyez, ça c'est une manipulation des banques. Ça, c'est vous inciter à vendre. Beaucoup avaient déjà déterminé ce range, le haut et le bas du range que je viens de mettre là. Et la trendline, on n'est pas les seuls à l'avoir fixée, d'accord? Beaucoup ont déjà fixé cette trendline. Et vous voyez, la manipulation là, elle est vraiment belle parce que non seulement il casse le bas du range de la consolidation, donc les banques savent que certains vont trader ce breakout, et d'autres ont attendu la cassure de la trendline pour voir si le prix allait retourner dans la trendline. Et les banques ont poussé le vice jusqu'à casser le range qui est ici, puis casser la trendline et fermer en dessous. Donc vous voyez, ils ont fermé à ce niveau-là, et 15 minutes après, ils sont restés encore 15 minutes avant la news en dessous de la trendline. Donc vous voyez, ils ont fait que inciter à vendre fortement pour faire quoi? Et bah pour punir tout le monde et faire décoller le prix. Donc c'était limpide, mais vous voyez, quand on a déjà un scénario et qu'on attend un retest, on se fait pas avoir par ce genre de manipulation. Alors Gold, c'était vraiment pas mal du tout aussi. Donc sur Gold, vous voyez, donc les deux scénarios qu'on a dessinés la semaine dernière, aucune raison d'acheter, hein, d'accord? Aucune confirmation à ce niveau-là. Il y a bien eu certains moments où le prix a dépassé la trendline, mais vous voyez, les chandelles ont toujours fermé en dessous, donc toujours maintenu en dessous de la trendline. Donc par rapport au scénario, aucune raison d'acheter. Au niveau du scénario baissier, alors oui. Alors quand on voit sur du H4, là, on a un retest, mais si vous voulez, quand vous descendez sur des timeframes plus bas, donc par exemple en M15, on pouvait voir que le retest était plutôt propre. D'accord? Donc vous voyez, le prix a cassé la trendline à ce niveau-là. Alors je vais zoomer un peu. Voilà, donc le prix a cassé la trendline à ce niveau-là. Et la chandelle d'après, là, on pouvait encore se dire que c'était peut-être un faux breakout, d'accord? Une fausse cassure et que le prix allait remonter au-dessus de la trendline. Donc on ne pouvait pas encore rentrer en vente à ce moment-là. La chandelle d'après, on a une belle chute. Mais elle était trop brutale, c'est-à-dire que rentrer dans une telle chute, rentrer en retard, c'était risqué. On aurait pris justement, vous voyez, ce drawdown derrière. Alors par contre, quand vous voyez cette chute et que la chute elle est confirmée, si vous êtes patient et que vous attendez, regardez, le retest, il est beau. D'accord? On a une cassure. On a un retest à ce niveau-là. Et là, vous voyez, cet engulfing, là, cette englobante, c'est votre signal de vente. Donc vous auriez pu attraper la chute sur Gold à partir de ce moment-là, proprement. Ok? Le prendre ici, c'était un peu risqué parce qu'on ne pouvait pas encore savoir, mais le prendre ici, c'était vraiment un signal très très clair. Alors, au niveau des projections pour EURUSD, donc pour cette semaine, donc là, vous voyez, le prix, il est juste au-dessus, il est vraiment en dessous du support institutionnel 1,2250 et il est juste au-dessus d'un gros support que vous voyez que j'ai délimité là. Donc les scénarios possibles, il n'y en a pas 50. Je vous montre. Donc la forte probabilité, c'est le rebond par rapport au support qui est ici. Voilà, donc là, on a le premier. Et on va surveiller. Si le support casse, à ce moment-là, on a une possibilité de vente uniquement si on a un retest. D'accord? Si on a une confirmation, on peut vendre. Si dans cette zone-là, donc si le support casse et qu'on a une confirmation, on peut vendre. Alors, ensuite, oui, j'ai vu au niveau des points pivots, on est juste en dessous d'un point pivot hebdomadaire aussi. Donc pour l'instant, le scénario est baissier. Moi, j'attendrai quand même confirmation pour rentrer parce que là, comme je vous ai dit, on est entre deux supports, enfin un support et une résistance qui sont assez importants. Donc là, il vaut mieux être patient et attendre. Pour ceux qui tradent en H4, du moins. Alors, au niveau du pivot. Voilà, donc vous voyez le pivot S1 là, le prix a cassé et pour l'instant il est maintenu en dessous.
Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Si le prix décolle, parce que tout est possible, à ce moment-là, on attendra de voir la réaction du price action à ce niveau-là. D'accord? On va surveiller le prix, voir ce qu'il fait dans cette zone-là. Alors, GBPUSD, donc les zones à surveiller. Donc en gros, la situation du prix, on a cette trendline qui est ici, le prix est en dessous de l'institutionnel. Donc pour agir, il faudrait quand même attendre la cassure de cette trendline-là avec une confirmation. On a un bloc de contrat qui est ici. On va le délimiter. Donc à surveiller. Ça, c'est un support qui risque de faire vraiment rebondir le prix. On est en plein dessus. Donc ça, c'est à surveiller. Et le minimum pour vendre, ça serait quand même d'attendre donc la cassure de cette trendline et de ce bloc de contrat. D'accord? Donc on va attendre de voir si le prix casse. Et vient retester ici. Et à ce moment-là seulement, si on voit un rejet du prix au niveau du price action, on peut rentrer en vente. D'accord? Alors faites attention parce qu'il y a forcément tout plein de supports en chemin. On a un petit bloc de contrat ici, on a un bloc de contrat là et on a un bloc ici aussi. D'accord? Donc il y a toujours des supports résistance le long du chemin. Mais c'est à vous de surveiller au niveau du price action, voir les réactions du prix, voir les rejets. D'accord? Au niveau du scénario haussier, donc si le prix remonte, alors acheter ici c'est dangereux hein, parce que vous avez vraiment le gros support institutionnel 1,40 juste au-dessus. Mais si le prix repasse au-dessus de l'institutionnel comme ça, on va attendre donc le retest dans l'autre sens, la confirmation du price action pour acheter à ce niveau-là. Ici. Alors pour USDJPY, donc le prix a bien décollé. Alors si vous avez attrapé votre entrée ici, que vous êtes dedans, c'est très bien. Maintenant, rentrer dans un bail alors que le prix a décollé comme ça, c'est pas forcément une bonne idée, hein, d'accord? Donc moi, je me retiendrai à votre place. Sinon, parce que vous voyez, le prix, il est vraiment entre les deux gros institutionnels, là, tous les 250 pips, 107,50 et 110. Donc là, il est vraiment au milieu. La prochaine étape, là, ça serait, ouais, 100, 109. Donc on va le noter. Donc pour ceux qui veulent vraiment trader UJ, la prochaine étape c'est 109. Voilà. Donc prochaine grosse résistance à 109. Donc là, il va falloir surveiller au niveau du price action la réaction du prix à ce niveau-là. Donc soit un rebond. D'accord? Hop. Voilà. Donc on surveille le rebond. Soit une cassure. Avec une confirmation derrière. D'accord? Et n'achetez pas tant que vous n'avez pas cette confirmation au niveau du price action. À ce niveau-là. D'accord? Donc n'achetez pas directement la cassure. Hein. Achetez uniquement le retest, la confirmation. Sinon, pour un scénario de vente, le minimum, ça serait quand même que le prix casse cette trendline. Hein. D'accord? Vous voyez la trendline qui est ici. Vraiment, c'est un minimum. Parce que là, il n'y a pas vraiment de raison technique de vendre. Et ça serait du hasard de vendre maintenant. Donc oui, ça peut bien se passer, mais on ne traite pas au hasard. D'accord? Donc même si ça se passe bien pour vous, le prix, il y a de fortes chances qu'il rebondisse ici. Sur cette trendline. D'accord? Donc si vous voulez vendre UJ, attendez vraiment que cette trendline soit cassée. Attendez la confirmation pour le vendre. AUDUSD, donc la situation du prix. Donc là, comme vous pouvez voir, donc cette trendline a été cassée. On arrive sur une autre trendline qui est ici. Donc faites attention au rebond qui est là. La prochaine étape, ce sera peut-être 0,75. On va voir. Le minimum, ça serait d'attendre quand même un retest de cette trendline ici si vous voulez vendre à UDUSD. Donc faudrait ce scénario-là, une cassure, une confirmation à ce niveau-là et un rejet du price action. D'accord, donc surveillez le prix dans cette zone-là. Ne vendez pas maintenant, attendez surtout que la trendline soit cassée et ne vendez pas sur une simple cassure. D'accord, attendez vraiment la confirmation. Sinon, le prix il peut aussi rebondir tout simplement. D'accord, sur la trendline. Donc si il rebondit par rapport à l'autre trendline qui est ici. Assurez-vous que votre ratio risque-profit est bon, hein, d'accord? Votre stop-loss, il doit se placer juste un peu en dessous ici, et votre take-profit, faites attention de surveiller le rebond dans cette zone-là. Il y a non seulement cette trendline-là ici, mais vous avez aussi d'anciens gros supports dans cette zone-là. Hein. Donc je vous montre, je vais
Je vais délimiter sur le graphique. Donc vous voyez ici, ici, ici. Donc en gros, là, il y a vraiment un gros support. Donc faites bien attention quand le prix remonte dans cette zone-là, fort rebond possible. Si le prix remonte, bien sûr. Voilà, donc surveillez le price action ici et surveillez le price action dans cette zone-là. D'accord? Et aussi éventuellement un rebond ici. Regardez si vous avez des signes du price action que le prix est rejeté. À ce moment-là, il y a une entrée possible. Mais faites bien attention à votre ratio risque-profit. Pensez à verrouiller du profit une fois arrivé ici. Alors, NZDUSD, on a un support. Donc, comme avec des USD, en fait, on a un support qui est juste en dessous. Faites bien attention. Donc, probabilité de rebond dans cette zone-là. Price action à surveiller. Voilà. Ensuite, pour vendre. On est vraiment entre les deux gros institutionnels. Faut surveiller quand même. Là, on a 0,70, 0,71 qui est là. Voilà, donc on a 0,71 qui est ici. Faites attention, même si on a une cassure de la trendline et qu'on a un retest derrière, avec un support institutionnel aussi fort qui est juste en dessous, ça serait pas forcément une bonne idée de le vendre dans cette zone-là, d'accord? Entre votre stop loss et votre take profit, ça sera vraiment pas forcément intéressant. Le mieux à faire si vous voulez vendre NZD après une telle chute, ça serait vraiment d'attendre qu'il casse l'institutionnel. Donc c'est une paire vraiment où là il vaudrait mieux patienter et voir si le prix fait ça. Voilà, donc attendez de voir si le prix casse l'institutionnel 0,71 et le retest dans cette zone-là. Surveillez le rebond possible à ce niveau-là. Et si le prix remonte, vous voyez, on a un ancien bloc de contrat qui est ici. On peut le délimiter. Voilà, donc faites attention dans cette zone-là. Le prix peut également rebondir fortement. Pour acheter, il faudrait vraiment. Soit vous avez un indice fort du price action ici qui vous dit d'acheter et votre TP sera dans cette zone-là à surveiller. Sinon, il faudrait vraiment attendre que le prix casse cette zone-là. Et vienne retester comme ça. D'accord? En sachant que votre ratio risk-profit doit être intéressant. Donc stop loss juste un peu en dessous du retest. Et le take profit à prendre, votre premier take profit du moins au niveau de l'institutionnel 72,50 ici. Alors USD4, un peu comme pour UJ, le prix a vraiment décollé. On est entre les deux gros institutionnels, les deux de 250 pips ici. Soit vous avez attrapé le buy à ce niveau-là sur le retest qui est ici, comme je vous ai dit précédemment, soit vous l'avez attrapé sur le retest qui est ici, vous voyez, c'est vraiment très net aussi. Il n'y a plus rien à faire, hein. Là, le prix a déjà décollé, ça serait dangereux d'acheter tout de suite. Le prix, il est 28,53, vraiment entre deux autres institutionnels. On va les noter sur l'écran. Prochaine étape, 1,29. Voilà, et en dessous on a 1,28 qui est ici. Voilà. Donc vous voyez le prix il est vraiment au milieu. Vous devez attendre de voir la réaction du prix. Voir le price action au niveau des deux niveaux que je vous ai indiqués là. Toujours pareil. Ce soit une cassure avec un retest. Soit un rebond. D'accord? Donc là, il faut vraiment voir quand le prix s'approche de ces zones-là. Regardez la réaction. Regardez si vous avez des patterns. Mais ne rentrez pas sur une simple cassure, d'accord? Regardez si le prix rebondit, s'il est rejeté ou s'il casse. Et s'il casse, attendez le retest. Dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Donc pour vendre, il vaut mieux attendre quand même une cassure. Et encore là, je vais pas mettre le scénario de vente parce que vous voyez, vendre un retest ici alors qu'on a un institutionnel ici, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on peut quand même noter, mais on va garder ça en tête. Voilà, on peut surveiller le prix comme ça et voir si le marché nous montre ce qu'on veut voir. Alors l'autre possibilité, si le prix chute, ça serait de voir un rebond dans cette zone-là. Voilà.
D'accord? Donc surveiller à ce niveau-là, ce qui va se passer, et à ce niveau-là. Et si le prix casse ici et reteste, faites bien attention. D'accord? Si vous êtes en intraday et que vous tradez en M15 sur la journée, oui, si vous voyez un beau retest à ce niveau-là, votre stop loss il est juste au-dessus du support à 1,28 et votre take profit, vous allez surveiller pour verrouiller du profit à ce niveau-là. Vous voyez, 27,50. Donc il y a quand même 40-50 pips à prendre sur de l'intraday, donc ça peut vous payer vraiment bien. Mais mis à part ça, en swing, pour l'instant, il vaut mieux vraiment attendre que ce support institutionnel, pardon, 27,50 casse et soit retesté pour viser donc un retour à 1,25. Alors au niveau des news cette semaine, donc les annonces économiques. Donc aujourd'hui, on a eu une news CAD. D'accord? Ce soir, donc c'est la nuit pour vous, il y aura une grosse news AUD à surveiller. Demain, mardi, donc une news USD à 16h pour vous à surveiller. Mercredi, une news sur le pétrole, donc à 16h30 pour vous à surveiller, une news sur le pétrole. D'accord? Et donc à 10h, 10h15 pour vous, 22h15, pardon. Il y aura donc un discours donc de Stéphane Paulos, donc le gouverneur de la Banque centrale du Canada, donc à surveiller aussi la news canadienne. Donc Stéphane Paulos, lui, il a par rapport à l'inflation qui bat des records au Canada, il s'inquiète pas du tout. Pour lui, c'est plutôt normal et que pour lui, c'est une fourchette le taux d'inflation. Donc pour lui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord? Donc on va surveiller ça de près. Jeudi, des news européennes, donc sur l'euro avec la Banque Centrale Européenne, donc à surveiller, donc vous voyez, aux alentours donc de 14h30 pour vous. Et enfin, donc ah oui, donc jeudi soir aussi et vendredi matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, vous allez avoir des grosses news sur le yen japonais. D'accord? Donc pareil, la Banque Centrale du Japon, donc faites bien attention à cette paire-là. Et dites-vous que quand la paire japonaise bouge, ça impacte souvent aussi la paire australienne. D'accord? La paire australienne et néo-zélandaise. Donc surveillez ces trois paires dans la nuit de jeudi à vendredi. Et sinon, vendredi, donc une news CHF donc à 10h 10h du matin pour vous. Une news GBP à 10h30. Et après, dans l'après-midi, donc vous allez avoir des news USD et encore des news GBP. Avec le gouverneur, donc Marc Carney, qui va faire un discours. Alors pour la question de la semaine, donc une question vraiment très intéressante qu'on me pose souvent de Romain Lucas. Donc est-ce que donc cela marche pour le forex? Mais ça marche pour le forex, mais est-ce que ça marche pour les indices aussi? Alors là, bon, c'était une question où il parlait du scanner harmonique, mais en gros, tout ce que je vous montre là au niveau de l'analyse technique. C'est valable sur tous les marchés, d'accord? C'est valable sur le marché des devises, c'est valable sur le marché des actions, sur les matières premières. Donc vraiment, c'est valable sur tous les marchés. Et pourquoi est-ce que c'est valable sur tous les marchés? Tout simplement parce que les gros acteurs du marché, les banques, les grosses institutions financières, sont les mêmes, d'accord? Ceux qui traitent des gros volumes. Les banques tradent surtout tous les marchés, que ce soit actions, matières premières, devises ou indices. Donc vous pouvez utiliser le price action, l'analyse technique du price action sur vraiment tous les marchés, tous les marchés, tout simplement. Voilà les amis, la revue de cette semaine est terminée. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Pensez à mettre en commentaire la paire croisée que vous voulez que j'analyse. J'ai oublié de le repréciser la semaine dernière, mais s'il y a vraiment une paire croisée que vous voulez que j'analyse pour vous, mettez-le en commentaire et dans la prochaine revue, je l'analyserai pour vous. Voilà, bonne semaine à tous.